Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode 2 Fallout 4. Donc on doit aller tuer Sinjin. Bon, on a America Plane, on a tout ça. Moi je pense qu'on va se déplacer ici, qu'on va y aller en mode normal, en mode exploration et découverte, avant de faire la suite de la quête principale. On a quand même bien avancé dans le précédent épisode avec toutes les informations sur Kellogg's et sur la vision de Sean quand il était pas si jeune que ça, mais enfin pas aussi jeune que nous l'avons connu, mais pas plus vieux que nous aurions pu l'imaginer. Je pensais qu'il allait avoir plutôt dans la vingtaine, moi, maintenant qu'on allait avoir un petit choc des cultures, vous savez. Mais bon, on verra. Donc je suis toujours avec Kate. Alors, où est-ce qu'ils sont? Kate, Nick et Kenigou, voilà. Et nous, on reprend notre petite aventure donc vers le sud, en essayant de retrouver quelques points au passage, si possible, qui nous font des points de TP donc lorsqu'on continuera à se balader. Hop. Oh merde! C'est un autre chien? C'est un autre chien? Merde! Regarde-moi ça, Kanigou! C'est un copain à toi? Attendez. Avant, j'aimerais faire une sauvegarde. Parce que des fois qu'il soit violent, j'ai pas envie de le battre. Et comme il y a des... Aïe. Bah alors, mon toutou! Ouais. On joue à cache-cache. Bah alors? Mais non! Mais non! Vous vouliez pas bouffer le chien? Où qu'il est? Oh merde! Il s'est enfui. Oh merde. Il voulait bouffer le chien. Bah non. What the... Yao Guai. Yao Guai, légendaire. Tant qu'on s'en sort. Ok. Je crois qu'on est pas seul. Mais non, bute pas le chien. J'aime pas. Machette. Ça du tout. Y a quelque chose qui cloche ici. Beau travail. On a un toutou avec nous. Il est sublime. Où est-ce que tu nous emmènes? Je te suis, toutou. Je te suis. Oh, on a un toutou. Eh hey, vous, venez, on va parler business. Bonjour. Vous avez toujours rêvé de faire avancer la science. What? D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Pourquoi pas? Ouais. Tiens, prends ça. Prends ça, prends mon melon aussi. Merci. L'immeuble recherche actuellement des candidats au profil varié. Postulez sans attendre. Mais... Il a l'air sympa, ce chien. Il vivait là, en fait. Vous avez toujours rêvé de faire avancer la science. Le laboratoire Cambridge Polymer recherche actuellement des candidats au profil varié. Ah bon, bah, j'imagine qu'il vivait là. Bah écoute, tant mieux pour toi, le chien. Je suis content pour toi. Si j'ai pu te ramener chez toi, je suis content. Par contre, ouais, apparemment, ici, c'est pas la joie. Yo, les filles. Oh, ça fait très sectaire comme endroit. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... Chose qui cloche ici. Ok. Je confirme que je les avais pas vus. Je l'admets. Maintenant reste à savoir ce que c'est comme bestiole là-dedans. Ah,
Désamorçons ça. Par où est-ce que je suis censé rentrer? Ah! J'aime pas ça du tout. Il y a quelque chose qui cloche ici. Oui, je confirme. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le bout de bois glisse. Ouais. Ouais, 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 ça pue du cul. Il y a des pièges de partout. J'aime pas ça du tout. Il y a quelque chose qui cloche ici. Des armes de partout. Des munitions de partout. Ce n'est pas normal. Putain, je m'en doutais. Putain de luminescente, mes couilles! Des fois, on arrive encore à distinguer la personne qu'elles étaient avant. Je veux pas le savoir. Je vois très bien comment tu me regardes. Je dis pas que ça me dérange, mais bon, je te vois. Bah écoute, je te regarde comme je veux. Ton contrat stipule que tu m'appartiens, techniquement. Je peux te regarder comme je veux. Je me suis déjà baladé tout seul à College Square, une fois. Jamais vu autant de ghouls au même endroit. Quelque chose qui cloche ici. Tiens les filles. Venez voir. Tout veut te causer là. Hop. Un coup d'œil. Oui, oui, oui. Bah, je vais jeter un coup d'œil quand j'en aurai envie déjà de base. Pour me faire chier, merde. Tiens. Ah. La seule chose qui est mieux que la picole, c'est la baston. T'es pas d'accord? Mais t'es où pour me parler comme ça? T'es dans le mur? On sera mieux dedans que dehors. Allons-y. Ah, t'es là. Ok, Kate. Salut. Tu veux quoi? Tiens. Kate. Non! Je pense qu'il est temps. Je rentre. Tu sais où me trouver? Ouais. Non, je veux pas te renvoyer. Hop. Kenigou. Hey. Que tu viens porter 2-3 petites choses. Alors. Crac. Voilà, déjà ça. Et je me sens beaucoup mieux. À quoi tu penses? Est-ce qu'on peut discuter, s'il te plaît? Pourquoi je voulais te renvoyer? Bon, c'est pas grave. Alors. Il y a potentiellement une armure assistée ici. Yo. Des gens encore en vie. On se pique un coup. Ok. Bon, on va où maintenant? On cherche. Rien de bien intéressant. Là, par contre, je m'attends à voir des choses. Je sais pourquoi. Je la sens pas, cette maison. Tu te pousses, Kenigou, s'il te plaît, merci. Ok, bah non, au final. Rien de bien méchant. On dirait presque un campement d'ailleurs. Ouais, t'as outil déverrouillé novice. Raté. Hop. Joli. Du scotch, hop, parfait. Ils voulaient que ça reste fermé, ils auraient dû investir dans un meilleur verrou. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hop, boîte d'épingle à cheveux. Vous pouvez vous casser si vous voulez. Merci. Et enfin, cette maison. D'accord. Ok, donc il n'y avait qu'une seule maison qui était habitée. Sans doute une référence à quelque chose, donc.
Ok, il y a une rat bitch ou une rat bitch. Ah non, un rat cerf ou une rat biche. Attends, t'as entendu? Hop, oui j'ai entendu, mais il n'y a plus rien. On y va, on y va. Mélange entre on y va et on y go. Ok, c'est quoi ce truc? C'est une moto. Oh dis donc, mais la zone a l'air dans un piteux état. Comment j'ai pu le rater deux fois de suite? Ok, ça c'est fait. C'est ça les super mutants. What? J'en vis pas. Mais what? Ça fait deux fois que je tire dans le truc. Je suis sûr d'avoir entendu. Bien essayé, connard. Ok. Je crois qu'on n'est pas seul. Ok, je crois que c'était Kanigou qui m'attaquait l'espace d'un instant. Non? Franchement, je l'ai cru, hein. Rien d'autre? Apparemment si. Là-bas. Je pensais que ça allait marcher, pardon. J'en chie à parler, c'est marrant. T'as trouvé quelque chose, Kanigou. Vraiment. Ok. Eh ben on y va. Attention, on est en train de perdre un bon paquet de balles avec cette arme. Faut que je fasse gaffe au niveau de mes munitions. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est un peu dangereux, je trouve, de mettre des... Jamais compris pourquoi les gens devaient payer pour aller voir un docteur. D'accord, je peux t'échanger des trucs, là, si tu veux. Hein? Ok. Quoi? Quoi? Faire du monde! Une minute. T'as bah allez, sort. Quelque chose? Liquidez-les! C'est moi qui récupère le matos! Vous allez si tu veux. What? Vous allez sentir une légère piqûre? Non, non! Qui est là? Tu ne me mets rien dans les fesses. Fini de jouer! Voilà. Prends tout ce qui pourrait servir. C'est pour ça que je le prends. Pourquoi faut toujours qu'il résiste? Oh. Oh. Ça c'était génial. Super moment bien planqué. Faut y aller pour penser à ouvrir les portes des chiottes et mettre des trucs derrière. Ah franchement c'était... C'est absolument génial, je reconnais que là ça m'a tué. Arme de fortune, d'accord, elle était en. Je l'ai même pas vu. Ah, je sais que t'es là. Je vais te trouver. Je peux le désamorcer encore ou pas? Non, pas du tout, je trouve pas le machin pour désamorcer. Tant il était là. Ok, pourquoi pas. Bon, bref. Ça va être piégé donc cet endroit. Alors, Coca-Cola. Deux Steam Pack. Un Steam Pack. Génial tout ça. C'est que dalle. J'ai oublié de prendre l'ascenseur, n'est-ce pas? Retour aux corvées quotidiennes. Hé hey, l'ami, oh, ça te dirait d'être une vraie femme? Moi qui croyais que tu voulais faire un gros câlin. Oh, 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 j'aime bien comment qu'elle me cherche. Tiens, mets ça. Et ça, ça t'apprendra. Donc on a dit.
Ceci. Ceci. Et on avait dit quoi d'autre avec? Les lunettes, elles sont où? Là. Oh! Y'a du respect à avoir? Non, y'a pas de respect à avoir. Je te préfère te remettre encore. Tu veux échanger des trucs? Si tu veux garder les lunettes, je te les laisse, mais franchement, je préfère te mettre encore ça. Ça va pas du tout avec, mais ça me donne un petit côté second degré assez sympa, je trouve. Bon, apparemment, je suis obligé de passer par, par cette putain de merde d'ascenseur. On y va, les mecs. Montez. Montez? Mais non, je voulais descendre. Sous-sol. Pourquoi tu me dis monter si on va au sous-sol? Oh, porte avancée. Non, non, non. Aha! Ça y est. J'ai l'impression de voir un chef d'orchestre à l'œuvre. Merci, ça me touche. Franchement, ça me touche que tu me dis là. De la part d'un robot qui saurait trouver ça plus facilement que moi, ça me touche sincèrement. Oh, coffre-fort! Aïe! Alors tous les trucs anti-RP, genre les trucs qui cassent ça y est. Tout ça, mince. Ah, vous me comprenez? Je les prendrai, hein. Je les prendrai pas, pardon, justement. C'est là qu'est le truc. Le piratage qui ne rate jamais, ou je sais pas quoi, les machins comme ça, là, je ne les prendrai pas. Ils sont toujours là? Non, tout est calme. À mon avis, c'est fini. Bon, bah, écoute. J'ai tiré exprès pour que vous me retrouviez, mais bon. Après, vous n'en avez pas envie vous-même. Veuillez rester immobile. Nous avons commencé la procédure. Oh, hop. Reviens. Mais reviens, je t'attends, bien, moi. Moi. Mets un homme à terre. Bon alors, les autres, ils sont où? Ok. Oh pardon, tu me tirais dessus. Enfin, je crois qu'il me tirait dessus, chers amis. En tout cas, il essayait, le pauvre. C'est quoi ça? C'est bête. Vous commencez voilà. À devenir copains. Tout à fait, c'est vraiment dommage. Petite picouse, hein, ça nous fait du bien. C'est assez glauque comme endroit, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça assez glauque. Hop. Du scotch? Non, c'est un bécher. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Comme d'hab. L'ascenseur est là, on y va. Merci Kenny Good de me suivre, bah écoute, il va te faire enculer, hein. Je t'ai pris pour mon ami Kenny Good, hein, tu sais. Deuxième étage. Hein? Deuxième. Je dirais qu'on n'est pas seul. Non mais oh. C'est quoi ce bordel? Comment qu'il m'a agressé celui-là? Il a cru? Tu permets, je sors à peine de l'ascenseur, merde. S'éclate, je pourrais faire ça toute la journée. Oh, franchement, me parle pas de t'éclater parce que c'est moi qui vais t'éclater, alors. Parce que t'as. On finira bien par être à court de munitions. Hein? Toi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu cours contre le mur, non? Y'a plus rien. J'ai pas trop. J'ai tout mon temps, moi! Ouais, vas-y, mollo sur le jet, t'as raison, c'est pas des coups de feu que t'entends dans ta tête. C'est quoi ce bordel? Ma tête! Fais t'enfuir! Rends-toi! Vous êtes arrivé directement en bas, vous? Ok, t'apprendras à me foutre les boules. Ahem. Ok. Bon travail. J'ai eu les deux.
Merci Nick, ça me touche que tu me dises ça. Oh merde. Kate, tu te remets? Cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout, rien du tout. Derrière cette porte-ci, avancez. Aha! Quelque chose à cacher? Hop là. C'est bon. Faut pas avoir la main qui tremble, c'est tout. J'ai la main qui tremble, c'est tout. Je suis en manque, c'est tout. Plaque d'identification, je prends. Buff out, je prends. Ventilateur, je prends. Attention. Kenigou, tu vas porter les choses. Tu vas porter. Ok, et la clé à molette, forcément. Bah oui. T'en doutais que t'allais forcément porter la clé à molette, de toute façon. Ah merde, y'a quelque chose qui a explosé encore. Hein? Oh. Ok, ils m'ont foutu les boules, je confirme. Je vais prendre l'ascenseur. Hein. Salut les mecs. Eh ben non, t'as raté. Ok. Je vais te parler. Oh là. Tu te calmes. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ah, il l'a abattu. Non, ça je peux pas, j'ai pas envie. Sincèrement, j'ai pas du tout envie qu'il l'abatte. Je vous interdis de vous défiler, bande de salopards. Si j'en vois un seul qui recule, je le tue lui et toute sa famille. Et ouais. Toi, Silver Shroud, si tu fais un pas de plus, je repeins les murs avec la cervelle de Kent. Parlez comme Silver Shroud. Tu utilises un innocent comme bouclier humain. Tu es un lâche, Sinjin. Et tu mérites la mort. Je t'interdis de me parler comme ça. Certains de ces crétins te prennent pour une espèce de légende vivante. Sorti d'une page de BD, ou je sais pas quoi. Mais on sait tous les deux que c'est du flan. Sous ton costume, t'es aussi faible et fragile que les autres. Et tu viens ici pourquoi? Libérer ton fidèle acolyte? Intimidé comme Silver Shroud. J'ai vaincu tous tes sbires les uns après les autres. Qui oserait dire que je ne suis pas Silver Shroud? L'écoutez pas, les gars. C'est juste un psychopathe dans un Alors, je suis voilà démasqué, comment merde. Ça va se passer. Je vais tuer Kent. Après, on va t'envoyer tellement de bastos dans le buffet que même ta mère pourra plus t'en Ah, il parle bien pourtant. Et ensuite, je vais aller à Good Neighbor. Je vais tirer sur tout ce qui bouge. Et puis je vais foutre le feu à la ville. Faut pas faire chier Sinjin. Menacé comme Silver Shroud. Je suis Silver Shroud, le bras armé de la justice qui jamais ne faillit. Pour tes crimes, la sentence est sans appel. La mort. Arrête de parler comme ça, tu fais pitié. C'est Silver Shroud, c'est pas des conneries. Merde, je me barre. Bande de lâches. Non, il l'a abattu, fais chier. Je suis Silver... Arrête. C'est Silver... Bande de lâches. Merde, il l'a encore abattu. J'ai pas envie qu'il l'abatte. Qu'il l'abatte. Je veux le sauver, le gamin, moi. Je sais. Bande de lâches. Putain, mais il a le temps de l'abattre. Hein. Il a largement le temps de l'abattre. Je suis. Arrête pas. C'est Silver Shroud. Ah, mais non. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Bande de lâches. Voilà. Alors, merde. Viens par là.
Tu sais quoi? Je l'ai eu. Je t'ai coupé le bras. Je t'ai coupé le deuxième bras. Tiens. Voilà, on appelle ça une vengeance. Ah, nom de Dieu. T'es qui, toi? Pas un geste. Ouais, Kent. Si vous saviez comme je suis soulagé de vous voir. Heureusement. Heureusement que j'ai pu arriver à temps. Vous êtes digne de Silver Shroud. Mais j'ai réalisé quelque chose. C'est la barbe, ça. Je laisse tout tomber. Combattre le crime, c'est pas du tout comme je l'imaginais. Battez-vous! Si vous baissez les bras maintenant, ça veut dire que les méchants ont gagné. Vous avez raison. Mais je suis fatigué. Je veux rentrer chez moi. Kate et Valentine, ils s'aiment pas. Hein. Merci pour tout ce que vous avez fait, mais j'ai eu ma dose. Ok. Elle est Bangkok dans le rôle de... D'accord. Bon bah écoute. Alors, on va quand même visionner un petit peu, enfin vérifier ce qu'il y a un petit peu dans la zone, visiter un petit peu l'endroit. Des poches de sang, une boîte d'explosifs, tiens ben. Et, aïe. Merde. Ma merde. Voilà. Ça y est. Yo. Ouais. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a, vous êtes sûr? Silver Shroud existe vraiment. Pour de vrai. Les mains en l'air. C'est bien. Permets que je te fouille. Merci. Oh, Valentine, fais pas chier. Je les empêche de te tirer dessus. Cependant. Je vais faire un essai. Est-ce que c'est toujours pas permanent? Ou est-ce que ça finit par être permanent? Ou est-ce qu'il va tenter de me tirer dessus? Vous êtes pas obligé de mourir aujourd'hui, hein. C'est ça que j'aime dans ce boulot. Il est pas agressif, le butez pas. Juste pour voir. C'est vraiment juste pour voir, chers amis, j'ai envie d'essayer quelque chose. Si je prends l'arme, que je la mets dans son rayon d'action. Pire que ça. Non, je peux pas la mettre dans ses poches. Je voulais la mettre dans ses poches pour voir s'il allait m'attaquer. Bon bah écoute, t'en veux pas, moi non plus. Par contre, je peux pas supporter que tu veuilles m'abattre. C'est triste ce que je fais là, j'ai pas envie, j'aime pas ce que je fais, mais bon écoutez... Malheureusement, enfin, c'est des trous du cul, quoi. Je ne veux pas mourir. Silver Shroud existe vraiment, pour de vrai. Bon, bah, continuez à y croire, c'est cool. Y a rien par là? Rien qui puisse m'intéresser du tout? Hop. Ok, pourquoi pas. Bon. Bon. Eh ben on y retourne, on va aller voir Hancock. Montez. Alors je me demande s'il y aura un autre follower féminin qui serait d'accord avec... Enfin, qui apprécierait Skemnik. Au final elle est très très cool, mais je trouve qu'elle est... Elle aime un petit peu trop les mauvaises choses en fait. Bon, si je pouvais éviter de passer par là, ce serait cool. Ah oui, bah c'est cool, c'est descendre par là en fait qui m'aide à... Ok, cool. Cool, ok, je vois. Génial. Absolument génial. C'est mieux rangé que ma piole à la fosse. Bon. Alors, faut que je trouve un personnage féminin en fait qui aille avec Nick. C'est-à-dire qu'il y ait des points communs avec Nick, avec les bonnes choses.
Je pense que je vais renvoyer Kate. Kate sur place. Je sais pas où est-ce que je vais l'envoyer. Il va falloir aussi que je me fasse ma maison. Ça va prendre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Ouais, ouais, ouais. Bon. Vous avez vu ? Si ça ressemble pas à un piège, ça, franchement. Un flingue chargé et des capsules plein les poches, ça, c'est la grande vie. Ouais, toi, tu rentres. Toi, je te fais rentrer dans le prochain épisode. Alors, nous, on va retourner voir l'autre mot du gland. Hop. À Sanctuary. Faut aussi que je trouve la commande pour la vie réelle. Alors. Voilà. Alors. Où est-ce qu'elle est ? Ok, on en a une, un là. Ah, la crapule. Où sont les autres ? J'ai déjà payé. Alors tirez-vous. Voilà, et la voilà. Hop. Ok, alors maintenant je fais cette console scope quest Kate. Ok. Empty ref alias. Empty ref alias Kate. Ouais, je vais peut-être avoir un problème là-dessus. 7 player teammate 0. Et ensuite remove fac 23C01. Viens voir. Ça me dérange pas de marcher un peu, mais il faut qu'il y ait une récompense okay. Au bout. Ok, les deux autres sont présents. Excusez-moi. On peut y aller ? Non, c'est bon. Ok, de ce côté-là, on est bon. On avait dit Hancock ensuite. Hancock ? Salut, mon pote. Vous ? J'aime bien comment il me parle, est-il au tronc. Hancock ? Qu'est-ce que tu... Hancock, t'es où, là ? What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait aussi loin de Sanctuary? Qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Qu'est-ce qu'il fait ce con? Ok, bon alors le chargement. Si vous n'avez jamais tué quelqu'un avec un nounours, vous ratez quelque chose. Eh ben écoute, j'essaierai. Par contre, moi, c'est plus Hancock qui m'inquiète, là. Qu'est-ce qu'il lui a... Il a le mal du pays, pour retourner à Good Neighbor, je sais pas, c'est... Ah ouais, il a le mal du pays, littéralement. L'ennemi invisible, tapis dans l'ombre, capable de frapper n'importe où, à n'importe quel moment. Oui, bah c'est un peu le cas, hein. Moi, je redoute ça un petit peu, c'est que l'Institut, ils deviennent tous fous et... Et boum, hein. Qu'il y a un gros bug dans les cerveaux des bestioles, et puis... Et puis merde. Vieux Parlement, mais qu'est-ce qu'il est revenu faire ici, lui? C'est trop du cul. Ça m'intrigue, moi.
Oh! Je t'avais donné un ordre, il me semble. Ah, il y a une scène. Vous avez déjà joué aux échecs? Parfois, il faut savoir sacrifier une pièce. Bien, c'est dans la voilà. N'oubliez on pas. Repart alors? Faisons ça comme ça. Ça marche. Kenigou, sois pas triste. Hein. Désolé, le chien. Sage, pas bouger. Bon, il retournera à Sanctuary, c'est pas grave. J'ai besoin d'un peu de temps pour m'en remettre. Vous comprenez? Hé, hey. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait mon boulot. Sinjin est mort. Et voilà. Adieu le grand méchant Sinjin. Ouais. Cette ville va pouvoir dormir sur ses deux oreilles, ou trois pour certains. Oh. Une nuit de plus. Je veux pas voilà savoir. Pour vous. Vous l'avez pas volé. Oh. Oh 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 oh, 750 capsules. Vous vous servez de moi, merci. C'est bien aimable. Ah, Kent. Pourquoi vous faites cette tête? Vous avez eu ce que vous vouliez, non? C'est pas faux. Torturé. J'ai failli y rester. C'est pas du tout comme dans les épisodes à la radio. Mais que celui qui n'a jamais torturé me jette la première pierre, pas vrai? Comme disait ma mère, on fait pas d'omelette sans casser quelques phalanges. Tu m'étonnes. Allez, faites pas la tronche. Good Neighbor est un peu moins pourri qu'hier, et c'est grâce à vous deux. On a terminé. Parlez comme Silver Shroud. Que serait Silver Shroud sans son fidèle acolyte, Ray Trainard? Alors ça, ça me va vraiment droit au cœur. Ah, cool. Il va falloir un peu de temps pour récupérer. Mais j'ai un projet spécial en tête. Un truc rien que pour vous. Oh, c'est quand gentil. Je serai prêt, je lancerai un appel sur ma station de radio. Ok. Je te remercie. Bon, un petit peu d'XP supplémentaire en plus. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous retrouvez le lien dans la barrière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode, mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement fait le jeu, ainsi que le jeu Star Wars Battlefront et Mad Max. Encore une fois, merci à eux et merci à vous de votre fidélité à la chaîne. Et à moi, je vous remercie de votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À demain pour un nouvel épisode de Fallout. Hop et hop.